great. Thank you. Especially you. That's what I appreciate. Thank you. Gabby est une Américaine de 22 ans du comté de Suffolk, à New York, qui a été portée disparue le 11 septembre 2021, alors qu'elle voyageait à travers les États-Unis avec son fiancé. Sa famille a perdu le contact avec elle fin août, alors qu'elle se trouvait dans le parc national de Grand Teton, ou à proximité, dans le Wyoming. Bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Murders Explained, et aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la disparition de Gabrielle Petitot. C'est une disparition qui est très récente, donc on n'a pas trouvé beaucoup d'informations à ce sujet. On s'est concentré sur les faits, surtout que les articles disaient un peu n'importe quoi étant donné qu'ils traduisaient tout de l'anglais, donc on a essayé de tout regrouper et on espère que cette vidéo va vous plaire vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de disparition. Comme vous le savez, on vous prépare une surprise pour le jour où nous atteindrons les 20 000 abonnés. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous. Et comme d'habitude, mettre un petit like si la vidéo vous plaît et de commenter cette affaire. Dans cette affaire, nous allons parler de Gabby, qui s'appelle vraiment Gabrielle Petitot, qui est née le 19 mars 1999 et qui donc, à ce jour, au mois de septembre 2021, elle a 22 ans. Elle est née à Blue Point, dans l'état de New York, aux États-Unis, et elle va grandir là-bas, elle va passer la plupart de son temps jusqu'à aujourd'hui là-bas. Ses parents, qui sont des personnes très discrètes quant à cette affaire, enfin du moins sur Internet, on n'a pas trouvé beaucoup de choses sur eux, à part leurs noms, qui sont Joseph Petitot pour son père et Nicole Schmidt pour sa mère. Gabrielle et son fiancé Brian Laudry sont en couple depuis déjà plusieurs années puisqu'ils se sont rencontrés au collège. Gabrielle, elle, a été diplômée de son école en 2017 avant d'emménager en 2019 en Floride avec ses parents, puis finalement de prendre un appartement avec son copain Brian. Ce sera le 2 juillet 2021 que le couple Gabrielle et Brian vont décider de quitter New York pour un road trip qui durera environ 4 mois dans tout le pays. Ils partiront dans une fourgonnette à un Ford Transit Connect de 2012 qu'ils ont converti en camping-car. Le couple, pour leur road trip, ont décidé d'ouvrir une chaîne YouTube qui s'appelle Nomadic Static, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, où ils documentaient leur voyage, ainsi que sur le compte Instagram de Gabi, puisque j'ai pas trouvé le compte du gars, donc je ne sais point. La dernière vidéo sur leur chaîne YouTube a été publiée en août 2021, soit 3 semaines avant que Gabi disparaisse. Gabrielle Petitot est portée disparue depuis le 11 septembre 2021, et on va creuser tout ça ensemble. Le 12 août 2021, la police de Mobe dans l'Utah va intervenir lors d'une dispute conjugale entre Gabrielle et Brian, ce qui va même causer un arrêt au bord de la route. C'est un témoin de cette dispute qui a donc appelé le 911 pour signaler justement où se trouvait le couple puisqu'il s'inquiétait de cette dispute. Le témoin a d'abord affirmé que le couple se disputait aux premiers abords par téléphone. Puis, lorsque Brian a décidé de monter dans la camionnette, Gabrielle, elle, l'a frappé violemment au bras tout en essayant après de monter à l'intérieur de la camionnette par la fenêtre côté conducteur. Lorsque la police est arrivée, comme il l'a dit, ils ont dû garer la camionnette sur le côté et c'est là qu'ils vont trouver une Gabi totalement déboussolée, en pleurs, qui va se justifier en disant qu'elle a des problèmes de santé mentale. À aucun moment de mon enquête, Gabrielle n'a cessé de pleurer, de respirer lourdement ou de composer une phrase sans avoir besoin d'essuyer ses larmes, de s'essuyer le nez ou de se frotter les genoux avec les mains. Brian, lui, au policier, va déclarer que dès qu'ils ont commencé à quitter la ville de New York, ils ont commencé à s'embrouiller régulièrement dû à la tension émotionnelle qu'il y avait déjà d'être confinés ensemble pour un road trip. Et en fait, c'est juste des petits trucs qui ont fait qu'exploser, donc ça fait qu'ils s'embrouillaient
souvent et lourdement, et que bah, cette fois c'est Gabriel qui a décidé de le frapper au bras. Les deux ont donc convenu que c'est bien Gabriel qui avait frappé Brian, notamment parce qu'elle avait peur que celui-ci bah, remonte dans la camionnette et la laisse seule, bloquée là en ville. Et dans le rapport de cette dispute, les agents, eux, ont qualifié Gabriel de suspect en disant « L'homme a essayé de créer une distance en disant à Gabi de se promener pour se calmer. Elle ne voulait pas être séparée de l'homme et a commencé à le gifler. Elle a montré des signes d'anxiété de séparation. Il a attrapé son visage et l'a repoussé alors qu'elle s'appuyait sur lui et sur la camionnette. » Aucune accusation n'a donc été déposée et les agents ont décidé de faire en sorte que Brian, lui, puisse passer une nuit à l'hôtel et que Gabrielle, elle, resterait une nuit dans la camionnette afin de les séparer un petit peu le temps que les tensions puissent redescendre. Ils ont donc pu qualifier l'incident de pause pour la santé mentale et émotionnelle plutôt que d'une agression domestique. Et suite à cette altercation qui a été démontrée, filmée, etc., on n'a plus aucune trace à part les preuves qui ont été laissées. Gabriel aurait séjourné dans un hôtel près de l'aéroport de Salt Park City le 24 août 2021, d'après ce que la gérante de l'hôtel aurait dit. Et à ce moment-là, sa mère, Nicole, dira que Gabriel lui aurait, je sais plus s'ils sont appelés ou si elle avait envoyé un message, mais elle aurait dit qu'ils partaient de là pour rejoindre leur point d'arrivée, qui était le parc national de Yellowstone. Sa mère aurait reçu un appel FaceTime le 24 août, où Gabriel disait qu'elle était proche de sa destination finale, mais encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai. Elle dira également que des SMS vont lui être envoyés avec le téléphone de Gabi jusqu'au 30 août, mais encore une fois, elle n'est pas du tout sûre de leur validité, et peut-être que ce serait celui qui a fait en sorte qu'elle disparaisse ou quelqu'un d'autre qui aurait envoyé ces messages, on n'en a aucune preuve. Et là va arriver la chose la plus bizarre, étant donné que Brian va retourner en Floride avec le van le 1er septembre 2021, tout seul, sans personne. La famille de Gabriel, le temps de tout comprendre, vont seulement signaler sa disparition 10 jours plus tard, soit le 11 septembre, il y a une semaine. Et encore un autre rebondissement, l'avis de disparition a été déposé le 11 septembre. 6 jours plus tard, le 17, Brian a disparu de partout. Le véhicule de Gabriel a été retrouvé ici à Northport, à son domicile le 11 septembre, domicile qu'elle partage avec son petit ami Brian ainsi que les parents de ce dernier. Le véhicule a été fouillé et analysé avec des agents du FBI. Jusqu'à maintenant, Brian ne s'est pas rendu disponible pour répondre aux questions des enquêteurs et n'a fourni aucune information utile. Nous savons que Brian est revenu ici à Northport le 1er septembre, 10 jours avant que Gabriel ne soit porté disparu par sa famille le 11 septembre. Nous n'avons aucune information indiquant qu'un crime a été commis ici à Northport. Brian Lowdry est une personne d'intérêt dans cette affaire. Les forces de l'ordre ont souligné que l'absence de coopération de la part de Brian ralentit l'enquête, mais que la vérité finira par sortir. Désormais, tous les regards se portent évidemment vers le jeune homme de 23 ans, Brian, le copain de Gabriel, les enquêteurs le considèrent comme digne d'intérêt, mais il n'est toujours pas considéré comme suspect dans l'affaire. Il faut bien faire cette distinction entre les deux. Brian, lui, refuse de dire à la famille de Gabi où est-ce qu'il l'a vu la dernière fois, et il refuse même d'expliquer du pourquoi il l'a laissé seul, et il refuse également d'expliquer pourquoi il l'aurait laissé seul, et pourquoi il est donc revenu tout seul en Floride, sans Gabriel disparaître. Oui. Apparemment, ce serait donc l'avocat de Brian qui lui aurait conseillé de garder le silence parce que sinon il allait attirer encore plus l'attention sur lui par rapport à la police. Et donc ce serait peut-être pour ça, entre grosses guillemets, qu'il aurait décidé de fuir, sûrement par peur d'être suspect ou que sais-je. Donc Brian exécute ses droits constitutionnels et refuse de parler à la police concernant cette affaire. Et donc, comme il l'a dit, il ralentit l'enquête, même si tout finira par sortir, pas comme Delphine Jupilard. L'avocat de Brian, lui, a également publié une déclaration disant qu'il a conseillé à son client de se taire, parce que généralement, dans ce genre d'affaires, on accuse et on suspecte toujours les proches, et étant donné qu'ils étaient les deux seuls dans un van en train de traverser l'Amérique de l'Ouest, ça y pourrait être vraiment suspect, donc c'est peut-être pour ça, en fait, il a juste pris peur et il a fui, et ça se trouve, il n'a rien à voir là-dedans, mais bon, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Le 17 septembre 2021, Brian n'est toujours pas accusé de quoi que ce soit, mais la police de la ville où il réside, Northport,
Oui, c'est ça. Ainsi que le FBI sont évidemment mobilisés afin de retrouver Gabby et de retrouver ce qui s'est passé. D'ailleurs, la camionnette qui servait de van a été perquisitionnée au domicile de Brian, et la police et le FBI sont en train de l'examiner au peigne fin pour essayer de trouver quelque chose qui peut lier cette affaire à une piste. Bien que très peu médiatisé en France, surtout au moment où nous tournons, il existe tout de même deux vidéos sur YouTube français qui traitent de cette histoire, notamment Le Parisien, ce qui peut être évidemment très bien pour relayer les informations et pourquoi pas la retrouver si vous avez des connaissances aux États-Unis. De toute façon, à la fin de la vidéo, comme pour toutes les vidéos de disparition, on vous mettra des photos, donc n'hésitez pas à relayer l'information le plus possible, histoire qu'on puisse retrouver Gabby ou au moins ce qui s'est passé. Après avoir été suivi par des centaines de followers sur les réseaux, parce que les gens s'intéressaient évidemment à leur road trip, suite au fait de ne pas avoir de nouvelles de Gabriel, ils se sont tous mobilisés afin de pouvoir trouver un quelconque moyen de retrouver cette jeune fille. Donc on espère que cette mobilisation aidera les forces de l'ordre à retrouver Gabriel Petitot. Le FBI, lui, a décidé d'ouvrir une ligne téléphonique avec un numéro spécial pour quiconque aurait des informations pour Gabby. Il sera dans la barre d'infos, mais étant en France, je pense pas que ça soit vraiment utile. Mais il y a également une cagnotte qui a été ouverte sur le site GoFindMe qui sert à... Gathering, je l'ai en anglais, à collecter des fonds pour aider dans l'affaire. Et jeudi dernier, donc il n'y a pas très longtemps, la cagnotte était déjà à 45 000 $. La police de Northport a également annoncé qu'ils vont traiter la disparition de Brian, parce que lui aussi est totalement hors de piste, en même temps que celle de Gabriel, en faisant un dossier de disparition multiple. Oui, voilà, multiple. Lorsque nous aurons des détails, nous ferons une déclaration, a tweeté le chef de la police de Northport, Todd Garrison. Également, dans la déclaration d'un point de presse, les avocats de la famille de Gabriel, eux, se sont prononcés contre la famille de Brian. Les avocats ont déclaré que le désespoir des Petito était vraiment très grand et qu'ils soupçonnent d'ailleurs la famille des Laudry de savoir des choses concernant la disparition de leur fille, mais qu'ils refusent tout simplement de les dire. Les Américains, d'ailleurs, se mobilisent notamment sur Internet avec le hashtag FoundGabby. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire très récente d'une disparition quand même qui fait énormément parler aux États-Unis. On espère que cette vidéo aura pu vous intriguer et vous plaire. Déjà, on a vu que dans la vidéo qu'on a sortie hier ou samedi, suivant le jour où ça sort, il y a des gens qui nous demandaient de la faire. Donc j'espère que vous êtes contents. Évidemment, on vous mettra un update dès qu'on pourra, que ce soit sur les réseaux. Ça sera certainement sur Instagram ou sur Twitter, je pense. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, c'est ça. Si jamais on apprend quoi que ce soit concernant cette affaire. Je m'excuse d'avance pour ceux qui ont des écouteurs, si vous entendez mon estomac à certains endroits, parce qu'il fait que de faire du bruit depuis tout à l'heure, donc désolé pour vous. N'oubliez pas de partager la vidéo pour aider à cette affaire et de vous abonner à notre chaîne, parce que pour les 20 000, grosse surprise, le carton est derrière nous. C'est la vérité, on le voit. Donc si vous voulez savoir tout ça et en faire partie, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de notre chaîne autour de vous. C'était Murders Explained et à mercredi.